Et voilà, et nous on se retrouve pour le prochain épisode. Hop, bah du coup faut refaire le... Oh, c'est chiant ça. Hop. Du coup je mets Dédé en first. Allez, on va mettre Dédé en first, on fait confiance à Dédé. Ah mais en fait je peux esquiver là, c'est ceux-là. Tac, tac, tac. Ah, ok. Ah! Putain mais attends, mais c'est relou. 31 ou 32 sont Pokémon le plus fort à la championne. Ok. Ou, non, le champion d'ailleurs. Non, la championne, la championne. Ok. Ouais, donc c'est quand même chaud, hein, 31-32. Hein. Ok, donc ça c'est bon. Il y a ça. Ah non. Non, c'est celui-là du coup. Ah oui, d'accord, c'est avec celui-là. Ah, mais attendez, mais c'est un vrai truc là. Putain, c'est abusé. C'est carrément une énigme là pour aller affronter la champion. Donc là, on va faire ça. Voilà. Là, du coup, on peut passer ici. Et on peut shooter ça. Ok. Ah, et ça sera peut-être pour sortir, non? Ah, bah non, puis il y a des escaliers. Salut, un plaisir de te rencontrer. Je suis Mélina, le champion de cette arène. Je ne sais pas ce que c'est qu'être forte, ni comment je suis devenue champion d'arène. D'accord. Je ferai de mon mieux. Je prends le combat très au sérieux. C'est quand tu veux. Et ben, let's go. C'est parti. Le champion numéro 4, Mélina. Donc, qui est normalement type combat, mais du coup, qui a 3 Pokémon. Premier Pokémon, Hermure. Oh putain, Hermure, c'est relou, Hermure. On va y aller en hydro-queue. On va voir combien je fais de dégâts. Niveau 28 quand même. Hein. Ok. Ah, ça va être relou. Ça me fait pas très mal, mais ça va me faire rater mes attaques. Allez, à la trouille, c'est bien ça. Peut-être devoir changer en vrai. En plus, à tous les coups, elle va lui mettre une potion. Ah non, pas de potion. Si je le touche, je le tue. Ah, est-ce que je le bute? Ok, nice. Premier Pokémon vaincu. Régigigas, d'accord, donc ça c'est plutôt lourd. Régigigas, quel type Régigigas? On va mettre... on va mettre ceci, allez. Normal pur, ok. Ah donc j'aurais peut-être pas... j'aurais pu mettre Maganon. Ah quoi que j'ai... Ah non, seul ça le fait pas. On va lui mettre Poison Croix. On va essayer de l'empoisonner. Sachant que ça a une forte chance de faire un coup critique. Attends, mais il a déjà fait ça. Ah, ça veut pas, hein. Mais wesh, t'arrêtes avec tes picots, là. Ouh, ceci t'as eu chaud mon gars. Parce que Damoclès c'est normal, donc c'est une attaque stab. Là on va même pas chercher, on va le switch je pense. Ah, j'ai peur en fait. Je pense que je vais me heal. Je me fous heal. J'ai peur qu'en mettant un autre, il se fasse one shot. Donc on va laisser ce signe. Je pense pas qu'il va... Ah si, il refait Damoclès. Putain, si coup critique, c'est terrible. Oh lolo lolo.
Écrapince, ok. Je sais pas s'il est que haut par contre, Écrapince. On va être macaron. Quoi qu'il arrive, j'ai coup de jus, donc normalement ça devrait le faire. Au pur, ok. Bon bah du coup... Oh putain, ouais, 32. Oh. Heureusement que c'est un... heureusement que le géré JJK c'est pas 32. Hein. Parce que 32 avec Damoclès, je pense que ça se trouve, il me tuait toute ma team. Hein, genre... Street au son. Défense P baisse beaucoup. Yes. Et c'est une victoire, encore une fois, sur cet épisode numéro 15, du coup, je le rappelle. Début d'épisode 15, du coup, on a vaincu Mélina, le quatrième badge est en notre possession. Let's go. Quel CT elle va me filer, du coup? Ah, je peux apprendre vol. Yes, GG, merci. CT60, ça va être un truc combat, je suppose, du coup. Ah non, bombément, putain, ça, c'est rincé, wesh. Enfin, je sais pas, bombément, je trouve pas ça dingue, genre. Bon, bah maintenant qu'on a le badge, on va faire la suite. Alors, je sais pas si la suite, c'est Team Galaxy, si on va aller... On va aller voir, on va aller voir. On va improviser comme d'hab. Oh! Aurore, salut Dios, tu peux m'aider? Ces bandits de la Team Galaxy m'ont volé mon Pokédex. Eh bien, nous avons la réponse tout de suite. La prochaine étape, c'est la Team Galaxy. Aide-moi à le récupérer, s'il te plaît. Je t'attendrai devant le hangar. À tout de suite. Ok, rendez-vous Gare du Nord. Let's go. On va leur régler leur compte. Ah, c'est pickpocket. Salut Dios, tu veux bien m'aider? Allez, let's go. Du coup, c'est un 2v2. C'est bien ça, j'aime bien les 2v2, ouais, je trouve ça cool. Ok, ils ont deux Pokémon chacun, du coup. Match Chopper au Bali. Let's go. Moi, j'ai Dédé. Mon petit Dédé, let's go. Première attaque. Oh, Fatal Foudre! My goodness, on va vite tuer notre chopper. Parce que même si c'est pas stable, Fatal Food quand même. Hein. Acupression, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Obali qui augmente sa vitesse beaucoup. Il va peut-être attaquer en first. Hein. Là, je prends un risque, hein, non, en restant. Ah, je vais pas prendre le risque de perdre des dés quand même. On va changer. Allez, reviens des dés. Oh, il est encore raté, putain, si j'avais su. Octazooka, c'est quoi? C'est une attaque bazooka, mais... Oh, lame feuille, ça m'aurait fait mal aussi sur des dés. Hein. J'ai bien fait, je pense, quand même. Attends, mais c'est quoi ce match chopper là? Il a Psycho, Fatal Foudre. Moi aussi je veux un match chopper. Match chopper, rien, hein, en attaque speed, il ferait pas trop mal. Ouais, il m'aurait pas one shot, mais tu vois, si j'aurais pris Fatal Foudre plus Lame Feuille, ça se trouve j'aurais été dans la merde. Donc je pense que j'ai joué safe peut-être trop, mais au moins j'ai assuré le truc, tu vois. Le coup critique, joli météore. Oui, c'est vrai que j'ai pas pris en compte que Match Chopper était un Pokémon du coup full physique et qu'il aurait pas fait mal avec son attaque spé. Mais bon. Oh, Florizarre, putain. Il y a un Yinfect qui évolue du coup en tir nocif. Enfin, pas dans cette version du coup. Ah là 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 là. On va faire un vent glace. Normalement, ça devrait être très efficace sur sur Flo-Flo. Et il y a Infect, je sais pas. Bon, après, je vais pas le one-shot de Florizarre, je pense pas. Parce que ça a beaucoup de PV, donc.
Et vent glace, ça a pas énormément de dégâts, ça qui est un peu dommage. Ouais, bon, c'est déjà pas mal quand même. Ah, c'est très bien aussi sur Yinfect. Bon, bah, c'est parfait. Ouais, Yinfect, il est seul pour ça. Bon, bah là, normalement, ça devrait être bon. Octazooka, non mais Octazooka, c'est une attaque plante, je pense. Mais c'est marrant quand même comme attaque. Battu par deux enfants, ce n'est pas juste. J'aurais dû faire profil bas et me contenter de surveiller le hangar. Allez, oust. Tiens, prends-le ton Pokédex. Octazooka type O. 55 puissance, 85 précis, peut baisser la précision. Ah ouais, ah, c'est un type O, d'accord. Hey, salut X-Day. Salutations à toi. Rira bien qu'il rira le dernier, mais what? Que se passe-t-il? Pourquoi les membres de la Team Galaxy se comportent comme s'ils étaient les maîtres ici? Merci de tout cœur, Dios. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans mon Pokédex. Il m'est indispensable pour assister le professeur Sorbier dans ses recherches. Alors, Dios, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moi, je pense aller faire un tour au manoir Pokémon sur route 212. Il paraît qu'ils arbitrent des Pokémon rares. Qu'ils abritent, pas qu'ils arbitrent. Oh, Belladonis. Plus aucune crainte à avoir, je suis là. J'ai entendu dire que des enfants se battaient contre la Twin Galaxy. J'aurais dû me douter que c'était vous. Oh, c'est le cinglé de félicité. Vous osez vous exprimer ainsi en ma présence? Quelle grossièreté. Je suis désolé. La Team Galaxy m'avait volé mon Pokédex, je suis furieuse. C'est sorti comme ça. Bon, je vous laisse, méfiez-vous de la Team Galaxy. Ah merde, j'ai fait la voix de Belladonis alors que c'était pas lui. Comment vas-tu, X-Day? T'as pas eu de Pokémon, toi, X-Day? Faut examiner le hangar, suis-moi et allons-y jeter un coup d'œil. Ok, bon, on va faire le hangar et après, la prochaine décision, ce sera le manoir Pokémon, du coup, la route 212. C'est fermé, sans blague. Il faut vraiment être détective privé pour savoir que cette porte est fermée. Sans la clé, nous sommes obligés de laisser filer ces bandits. Et là, il va trouver la clé? Non. Ah, cette capsule secrète, elle contient la capacité secrète vol. Je te la confie. Mais vaut ne pas la laisser aux mains. Non mais sérieux, là, il y a la CS vol par terre comme ça. Il semblerait que nous soyons pas plus avancés, tant pis. Ce qui m'inquiète, c'est ce que j'ai entendu au casino. La Team Galaxy a transporté quelque chose jusqu'à Verchamp. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais ça ne me dit rien qui vaille. Faudrait peut-être que j'aille jeter un coup d'œil au casino d'ailleurs. Eh bien je peux apprendre vol maintenant, mes amis. En vrai, vol, ça peut être bien sur mon Raptor, non? Je vais lui apprendre vol quand même, je pense que ça peut être bien. Hop. Ok, donc le hangar, ça a été fait. On va resave ici. Je préfère save quand même de temps en temps. On sait jamais s'il y a une mauvaise manip et que je reload. Bah, je crois qu'au casino, il n'y a rien à faire, non? Déjà, je trouve pas le mec qui me file la boîte de jetons. Ok, bon. Et ben on va aller sur la route 212 du coup. On va pouvoir capturer un Pokémon. Et aller au manoir Pokémon du coup, a priori. Il y avait Mouchoir Soie, c'est assez fort. Ah oui, c'est vrai que Mouchoir Soie, ça me dit quelque chose. C'est pas ce qui permet d'attaquer. Qui te donne une chance d'attaquer en premier, Mouchoir Soie. Ça te donne une chance d'attaquer en premier, je crois. Un Chuchmure. Très bien. Oh, il a intimidation, attention. Il a réduit mon attaque, mais pas mon attaque spé. Hop là, c'est le one shot qui est proposé par DD. Wolf Dream également qui gagne un petit peu d'XP. Wistikram, ça sera un one shot aussi. Pokémon de type feu. Let's go. Tyrannosif encore, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont avec les Tyrannosifs?
Ça, c'est vive griffe. Ah oui, effectivement. Le mouchoir, c'est 50% de vitesse supplémentaire. Par contre, t'as le droit à une seule attaque. Ok. Hop. Le premier dresseur est réglé. Et Wild Dream qui passe niveau 27. Route 214. Ah, donc on n'est pas à la route 212. Ah, je peux avoir, je peux peut-être pêcher, hein, au pire. Je peux pêcher peut-être, hein, à la place de chercher dans les autres herbes. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je tente de pêcher et de capturer le premier Pokémon? Ou je reste dans les autres herbes? Regarde bien cette pièce. Pile, je t'affronte au combat. Face, c'est toi qui te bats contre moi. Allez, cher Océan, le Océan, te sera-t-il favorable? Très bien. Super. Méganium. Ah. Ah, ça c'est chiant. Ah oui, mais c'est un Méganium niveau 30 en fait. Effectivement. Dédé qui a failli passer, hein. What? Et en plus, il a soin, mais vas-y, c'est quoi ce Méganium là? Tiens, prends ça en fait. Ça devrait aller, Tayad. Nice, 1 HP. Bien joué à toi. Face et face à une telle défaite. Putain. Aïe aïe aïe. Dat jeu de mots. Oh, c'est quoi ça? Grotte ruine, man. C'était mur de fer, très bien. Tout le monde m'appelle le ruine maniaque. Personnellement, je m'en fiche. Je continue à creuser ce mur de petit à petit. Tu sais pourquoi? Je suis ruine maniaque, fasciné par les herbies. Je sais que c'est un peu soudain, mais veux-tu faire la course avec moi? Tu attrapes les herbies pendant que je continue à creuser. Ok, bon, je vais capturer un Pokémon ici. Je sais pas si je peux en fait. Ah oui, il y a des Pokémon, attention. On peut capturer ici. Après, ça peut servir de CS Slave. Ça peut servir. Ça peut servir. Ça, il faut pas être négatif. C'est... Voilà. C'est pas dingue. Mais ça peut servir. Par contre, il va me saouler. Hein. Non, mais c'est quoi ces attaques là aussi? Je me soigne.
Oh mais non, mais Giga Sensu c'est chiant, il va se heal putain. Oh ça va, il s'est pas heal beaucoup. T'as par contre je brûle, c'est un peu relou. Est-ce que je tente direct une ball? Bah faible ball en vrai car Shishou il est super faible. Ça devrait marcher en vrai. Yes! Oh là là là, je capture tout au premier coup, c'est incroyable. Bon bah peut-être un CS Live hein, qu'un artichaut. Du coup j'ai envie de l'appeler Onkai V2 pour la blague mais. Je vais l'appeler le pire. Allez. Le pire. Nouveau CS Live dans cet épisode. Bon, bah c'était très utile en tout cas. On va aller du coup. On va aller se soigner. Je pourrais être dans l'équipe aussi. Ah bah oui, Last Drain, c'est vrai que je t'ai pas mis dans l'équipe. Bah écoute, Last Drain, bah écoute, on va voir. Mais tu seras le prochain Pokémon du coup qui est dans. Alors, du coup, choisis Last Drain. Est-ce que je te pêche ou est-ce que je vais dans les autres herbes? C'est toi qui choisis. Mais ça va influencer ton Pokémon, forcément. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans les autres herbes ou ce qu'il y a dans le lac. Oh putain. Putain, il a 6 Pokémon lui. Hein. Pêche, je le sens bien. Ok. Et ben on va te pêcher. Et on va voir ce qu'on aura. Nice, Dédé qui passe niveau 31. Rayon gemme? Qu'est-ce que c'est rayon gemme? Type roche? Lanceur attaque à un rayon de lumière qui scintille comme s'il composait des gemmes. En vrai, c'est pas mal. C'est même mieux, beaucoup mieux que combo griffe. Donc, on va apprendre cette attaque. Rayon gemme. Attaque de type roche, qui peut être utile contre feu, glace, vol ou insecte. Donc, c'est ok en vrai. Alors Nelson, j'ai pas vu ce que tu envoyais, mais on va mettre Dracolos. C'est quoi? Un Staros. Après, vu qu'il en a 6, les Pokémon sont un petit peu moins élevés. Donc ça va. J'ai rien pour lui. Staros. Uppercut. Ouh, il a grondement. Ça serait bien que je le tue là tout de suite. On sait jamais ce qu'il peut avoir derrière. Ah, il est psy aussi. Ah, c'est vrai que Staro c'est psy, effectivement. Donc le psy, ça peut craindre du coup insecte, spectre et ténèbres. Un Typhlosion. Putain, il a des bons Pokémon, hein. Il a une bonne équipe, hein. Typhlosion, c'est pareil, j'ai rien pour lui. Direct toxique. On va voir ce que ça fait. Oh oui. Ouh, balle glace, ça va faire mal, ça. Ok, non, ça va. Balle glace, c'est vrai que c'est assez faible niveau dégâts, mais c'est très efficace, quoi. Donc, faut faire attention. Ok, Togepi. Bon, Togepi ça va, c'est un peu plus rincé déjà. Hop, ça me suffit. Je passe niveau 31, parfait. Boscara. Boscara, ça me dit quelque chose. Mais je vois pas c'est quoi. Balle glace, sa puissance double au fil des tours. Ah oui, c'est ça, c'est un peu comme roulade. Ah, Boscara. Hmm.
J'ai pas envie de le perdre parce qu'il a, il a gros bisous qui peut endormir et ça peut être utile pour capturer. J'avais pas pensé à ça. Donc on va assurer le truc. Coup croix, c'est combat, hein, ouais, c'est pour ça que ça m'a fait mal. Donc là, normalement, ça devrait pas avoir de soucis. Et vu qu'il a des feuilles sur la, la tronche, je suppose qu'il les plante. Et voilà. Niveau 28, bien. Dracolos. Ah ouais, rien que ça. Il avait une bonne éthique, une bonne équipe hein, quand même, hein. Mon cher Nelson. C'est vrai que l'électricité c'est pas super efficace, donc en fait des fois j'avais peur de ces coups de jus alors que j'avais mon Dracolos par exemple en duo. Parce que coups de jus ça touche tout le monde, mais en fait j'aurais pu. Parce que comme il est dragon, il résiste à l'électricité, donc dragon vol, ça fait que l'électricité est juste basique. Et oui. Je viens de m'en rendre compte là seulement maintenant. Allez, on va sortir la canne à pêche du coup. Let's go! J'aurais peut-être dû mettre. Ah, mais non, c'est bon, il est déjà en premier, Voldem. Rien de rien. Eh ben, nice! D'ailleurs, j'aurais pu l'assigner à une touche, mais bon, la canne à pêche, j'utilise rarement, donc c'est pas très grave. Ah, mais merde, il faut que j'appuie en fait! Je suis trop con. Si j'appuie pas, ça. Attention! Un Pokémon a mordu! Let's go! Oh, c'est pas mal, mais le truc c'est que ça évolue. Donc du coup... Ah non, j'ai mis DD, putain. Ah, et si je fais Hydro Queue, même si c'est pas très efficace... Je me suis dit, putain, mais je suis trop con. Et en fait, non, c'est passé. Tranquille. Dernier stade, il évolue plus. Ah, c'est le dernier stade de l'agro. Ah, bah c'est très très bien alors. Oh, bah c'est perfect. Par contre, il va falloir que je le pex, hein. Oh là là, l'ast drain qui se met bien là-dessus. C'est cool ça. Allez, normalement c'est capturé. J'ai pas besoin de regarder. Après, ça va dépendre. Ça va dépendre de sa nature et tout, et des attaques, mais... Oh, il a un petit Dracochoc. Ça, c'est plutôt bien. Attendez, on va le rendormir. Ok, 100%, il est nature défensif. C'est bien, nature défensif, sur lui, ou pas? C'est ça, le truc, aussi. Merde, mais je suis un connard. Putain, j'ai loupé un tour, c'est pas grave. Yes! Gotcha! Ok, donc on a un Lagron. Du coup, qui est Last Drain. Bienvenue dans l'équipe. Il est au sol. Il est claqué au sol. Je suis désolé. Oh putain. Attends, mais est-ce que ça passe déjà ton pseudo? Last Drain, ok. Vu que les méga existent pas, ouais, c'est pas mal. Ok.
Après, du coup, faut que je le remplace par quelqu'un. En vrai, je peux remplacer à la place de Kangourex, hein, non? Même si j'ai déjà un type haut dans mon équipe. Kangourex, c'est quand même pas dingue. Mais après, Kangourex, c'est bien pour capturer les Pokémon, du coup. Ah, là, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que je remplace Dédé, peut-être? Mais Dédé, il est fort, quand même, hein. C'est quand même un Pokémon fabuleux, hein. Je sais pas si c'est mieux. Je vais retirer déjà Canarticho vite fait pour voir ce que je peux lui apprendre. Un tichot qui peut pas prendre vol, quoi, c'est un peu relou. Bon, après, techniquement, c'est pas très grave parce que. Après, anti-brume, putain, c'est. Anti-brume, c'est vol. Je sais pas si anti-brume, c'est fort, mais. Non, mais non, mais. Après, c'est bien, il a les trois. Il a les trois autres, du coup. Il est mieux que Honkai en fait, en 16 slave. Du coup, faudra que je fasse un Honkai, un vrai Honkai. Fion est mieux que Lagron. Ok. Bah écoutez, je me le garde de toute façon en réserve. Et du coup, tu rentreras dans mon équipe si jamais j'ai un mort dans mon équipe, hein, tout simplement. Bon, par contre, vu que t'es niveau 7, faudra que je prenne un petit temps pour t'XP tranquillement. Mais je t'experai, je te remettrai à niveau et puis let's go. Hein. Alors dans les autres herbes, qu'est-ce que t'aurais pu avoir? T'aurais pu être Porygon. En vrai, je pense que t'as bien fait pour le moment. Ok. Quoi qu'on peut faire les dresseurs aussi, hein, Kira. Bizarre en sang, d'accord. Hop. Ah, un dresseur enfin, tu vas affronter les Pokémon que j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé comme Pokémon? Un alligator, d'accord. C'est pas mal, hein. On va pas se cacher. Bluff. Yoga. Ok, il se buff. Mais tu n'auras pas le temps d'attaquer. Ok. Caligature, c'est bon. 1000 XP. Oh lolo. Fantominus. Ouh, c'est pas très efficace, mais... critique. Ok. Il est KO. On passe niveau 29, c'est pas mal en vrai. Spectre poison. Ah, il est poison aussi, Fantominus. T'es sûr de ça? C'est marrant ça. Pokémon poison. Allez. Qu'est-ce qu'il a lui? Lumivol.
Lumivol. Trop fatal. Hop. Niveau 27 quand même. Hein. Rune Protect. Ok. Ouais, c'est genre. Ok. Ok, ok, je te fais confiance. Hop là. 800 XP, c'est bien là, on est en train de bien le pex. On va le monter niveau 30, Wild Dream aussi. Hop. Voilà, je suis conscient que j'ai loupé des dresseurs, hein, ne vous inquiétez pas. On va retourner en haut de toute façon. Tedursa, t'aurais pu être un petit Tedursa qui évolue. On va pas prendre la peine de le tuer. Donc il y a le lac Courage en bas, du coup. Ok. Là, on a une Pokéball. On va aller la chercher. Oh, Nidorino. C'est pas mal, ouais. Encore le petit Porygon, mais bon. Une loupe. Je vais regarder ce que ça fait. Avec, j'avais trouvé un autre objet aussi que j'avais mis dans objet, je savais pas c'était quoi. Bizarre encens. Encens au parfum exotique augmentant la puissance des attaques de type psy. Ok. Ça augmente un peu la précision des capacités. Ouais, c'est pas mal la loupe. J'aurais voulu en Zarbi, ça aurait été drôle. Ah ouais, ça aurait été. Ouais. Bah drôle, ouais, mais bon. Ça aurait été chiant aussi quand même. Oh là 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 là, c'est terrible ce qui se passe. Oh, c'est quoi ça? Un Vibranymph. Vibranif, ni nymph, non, Vibranymph. Ça, je connais jamais vu ce Pokémon. Là. C'est quoi ce Pokémon là? On dirait un papillon en fait, enfin. Entre guillemets. Enfin, on dirait un insecte quoi, un chenipan avec des ailes quoi. Dragon et sol. Pff. Alors là. D'accord, très bien. Dragon sol. Ok. Évolution de Cracnoa et sous-évolution de Libégon. Ok, putain les deux je connais pas. Bah écoute, j'aurais appris un truc au moins. Ok, il a trois Pokémon. Il a une abeille en premier Pokémon. Lire esprit. Ah, j'en étais sûr. Oh oui. Flogger. Ou Fogler. Fogler peut-être. Ça me dit rien. Tellement de Pokémon que je connais pas, c'est fou.
Empêche le miss toutes ses attaques, 100% de précision. Empêche le miss. Ah si, il faut Fogler, je vois c'est quoi. Ouais, bien essayé. Mais contre un type vol, c'est pas ouf. Ok. B-équipant. Ça, j'en ai déjà vu un, c'est espèce de... Voilà, l'énorme pélican, là, avec... Ça fait mal, direct toxique, quand même, hein. Ouh, Damoclès. Coup critique, ça va. C'est à lire esprit en palcorn auto-win. Ah, ah ouais. Non, mais là, il a pas fait lire esprit sur mon Dracolos. Ah oui, c'est si moi j'ai lire esprit, ok. Merde, j'arrive à la fin du live Pokémon. Non, c'est pas encore la fin. Il reste encore une heure. Bah, du coup, Waldream, je t'ai capturé. Waldream, vu que tu viens d'arriver. Tu étais un abo. Abo niveau 22. Oh, légendaire! Oh, un cré elf. Putain, t'aurais pu être un cré elf, Last Drain. Et tu as évolué en Kangourex, du coup. Kangourex qui est pas un truc de dingue puisque c'est un type normal. Mais en vrai, ça fait le taf. En vrai, ce qui est bien, c'est que t'as le truc de bisou là qui peut endormir. Donc c'est bien pour capturer les autres Pokémon. Ah oui, et tu diras à Neutron qu'il est mort en fait. Parce que j'ai déconné et il s'est fait tuer. Donc Neutron est déjà mort. Je suis désolé pour lui. I'm sorry. Ça, c'était dans le... Bah du coup c'est dans l'épisode d'avant, la première heure de jeu. Ok, bon bah, ça va peut-être XP un petit peu ça. 660, c'est pas mal. Alors du coup qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? Il n'y a plus que ce dresseur là je pense. Ah il a plus beaucoup de PP, on va le changer, on va mettre Taldana, hop. Ok. C'est honteux. Désolé Neutron. J'avoue c'est honteux hein, comment t'es mort, j'ai déconné en fait. En fait c'est dans un combat duo et t'as pris les deux coups, en fait t'as pris les deux attaques du même et du coup t'es mort. Mais j'aurais pu clairement éviter cette mort, hein, mais... on va pas se cacher. Mais bon. Après il peut y avoir un Neutron V2 hein. Mais il y a plein de V2 en fait qui sont prévus du coup on verra. Mais bon. Donc après j'ai capturé un canard artichaut hein. Mais bon j'ai mis personne en canard artichaut, c'est un safe slave hein, clairement. Et j'ai eu un Lagron. Donc Lagron qui est Last Drain du coup. Ça c'est pas mal en vrai, le Lagron il est bien. Poussifu qui fait canicule, nice. Bah écoute bien joué à toi. Et bonsoir Firestork, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Putain le relou. Allez vas-y Talda. Ah putain, c'était sûr. C'était sûr en fait. Voilà. Yep ça va et toi? Mais écoute ça va bien. Ça va bien, écoute. On est à 4 badges là, donc on avance bien. Lui, je l'ai pas fait aussi. Hop, on va mettre des dés. C'est quoi déjà un Nuzlocke? Bah écoute, t'as le résumé en bas à droite des conditions qui sont appliquées. En gros, un Nuzlocke, c'est un challenge. Donc en gros, c'est un Pokémon qui est modé. Et du coup, tu peux mettre un petit peu ce que tu veux. Et donc moi, j'ai Pokémon aléatoire. J'ai quand un Pokémon est KO, il est KO définitivement. Je peux pas le réutiliser.
J'ai les capacités qui sont aléatoires, des Pokémon, complètement aléatoires. Les évolutions sont aléatoires. Et je ne peux capturer que le premier Pokémon que je rencontre dans chaque nouvelle zone, dans chaque nouvelle route ou quoi. Sauf si je l'ai déjà capturé, donc c'est un doublon. Dans ce cas-là, je peux capturer un autre dans la même zone. Voilà, en gros. Donc, en gros, c'est un Pokémon un peu plus difficile. Mais en vrai, ça va, avec un peu de chance, parce que je suis... Oh putain, point éclair, ça c'est chiant. Oh, bah non, ça va, en vrai. Enfin, j'avoue que c'est un Azuril, donc... Parce que moi, je suis rincé à Pokémon, je connais mal les types. Et je connais même les... En fait, il y a plein de Pokémon que je connais pas, en fait, dans cette version. Mais en vrai, ça va, je m'en sors, donc c'est que c'est pas trop dur, en vrai. Hard Pokémon ou roulette russe? Un peu roulette russe, parfois, parce qu'en fait, parfois, tu te fais one-shot... Mais tu pouvais pas prévoir que ce Pokémon avait cette attaque là qui était en x4 sur toi. Et donc du coup il te one shot. Ou t'as des attaques tu sais, qui fait que ça double les dégâts qu'il va te mettre. Et tu le laisses à 1 HP, du coup bah il te one shot aussi, etc. Donc t'as un peu de roulette russe, mais pas que quand même. Et salut Eratrose du coup. Meilleur Pokémon? Bah meilleur Pokémon dans quel sens? Tu parles du Nuzlocke ou tu parles du Pokémon Platine? Mais ouais, en vrai, le Nuzlocke c'est fun quand même, je trouve. Putain, j'ai rien pour le tuer, lui, là. Ouais, bah, classique des Pokémon. Ouais, bah, oui. Bah, c'est surtout que comme ils ont des attaques aléatoires, bah, tu peux pas trop prévoir, en fait. Tu peux pas te dire, ah, vu que lui, il est électrique, c'est bon, je vais mettre un type sol, et c'est bon, parce qu'en fait, ça se trouve, il a une attaque haut, quoi, tu vois, genre. Tu peux toujours faire l'événement Shaymin, ou plus maintenant. Alors là, aucune idée, je sais même pas c'est quoi l'événement. Alakazam. Il est aux plantes. Ah, il était aux plantes, c'est pour ça qu'il était chiant. Bah, Alakazam, ça appartient en hydroqueue, hein. Hop là. Gonflette. Putain, Wolverine qui fait de la gonflette. Ça m'étonne pas de lui, tiens. Alors, gonflette, c'est quoi? Lanceur tend ses muscles pour se gonfler, ce qui booste son attaque et sa défense. Bah, en vrai, non, je vais pas la prendre. Mes 4 attaques, pour le moment, me conviennent. Même si c'est peut-être fort, mais... Il est déjà assez gonflé comme ça, quoi. Bon, bah, écoutez, j'ai fini les dresseurs. Ici. Donc ouais, on a fait tous les dresseurs, donc du coup on va mettre fin à cet épisode sur YouTube. Donc fin d'épisode, et on se retrouve donc très prochainement pour la suite de cette petite aventure.